Hello, ça c'est une petite vidéo pour introduire nous dans Panda, une façon bien facile pour montrer nos gens cette action simple, c'est pas rien de compliqué. Première action c'est lancer Jupyter Notebook. Pour monde qui va Jupyter Notebook, on va aller sur Google Colab, j'en m'ont expliqué. Donc Jupyter Notebook moi lancé déjà, moi sur notebook qui vide là actuellement. Bon, première ligne de code là c'est m'a importé Panda. Par convention toujours mettez un alias. Has la vie dit son alias. Ça veut dire que au lieu pour me faire import panda pour m'utiliser panda dans tout code moyen m'a dit OK m'a pas besoin d'utiliser panda m'a utiliser un mot qui picote remplacer panda moins par un mot qui picote donc pour m'accéder à panda dans tout code moyen m'a juste fait pd pour me capable accéder à panda donc là ça sont première ligne de code donc là m'a commenté pour nous m'a dit import dependencies là c'est importé m'a importé. Si ça me prend dans ma importé là, moi qui était dans la ligne de code ça, moi exécuter, moi faire one. Donc partie ça fait exécuter. Ça arrive, m'ka exécuter tout code moi dans seul bloc. Mais il recommandé pour toujours chaque ligne de code qui sépare pour exécuter le long bloc ligne de code. Automatiquement faut faire one, l'app exécuter et puis tout il crée un nouveau bloc pour moi pour me taper code toujours. C'est même genre avec n'importe éditeur de texte qu'on tape utiliser, mais ça les puis avancer, les bons accès pour et traiter chaque ligne de code séparée. On fait un panda, on a ça m'bra le faire. Traitement m'bra le faire c'est son un fichier qui est l'étiquette list. C'est celui que m'bra le faire son fichier Excel lié. Panda bon accès pour ouvrir un fichier Excel. On m'a mettre en curl pour nous. Ouvrir fichier Excel là. Donc pour m'ouvrir, m'a fait PD read. Si c'est fichier, si son fichier CSV, m'en a fait read CSV. Mais comme son fichier Excel, on fait read Excel. Là, on fait read Excel. Et puis, quand on a la sambal bali, paf, chemin côté fichier Excel là. On a juste fichier dans le home. Pour les gens qui ont Windows, on collapse de points, users, des trucs comme ça. Mais pas maintenant, c'est Linux. Là, on a home, les miser, download. Et puis, l'étiquette list underscore list. Et puis, point XLS c'est comme ça fichier dans relé m'a mettre fichier ça online pour nous capable gagner accès à lui m'a partager lien avec nous donc là ça c'est fichier que m'ni là automatiquement m'fini ça c'est contenu en là moi contenu fichier Excel là donc moi supposé sauvegarder là-dedans on variable ça c'est un data frame là pied donc moi ba l'abréger DF son data frame avait dit c'est une collection de données son frame de données son tableau. Même j'ai Excel qui est présenté à son dans son salarié. Maintenant pendant nous juste le data frame. Donc moi sauvegarde le nom de ça moi libre pour mettre le nom moi mais il data. Donc là pour picout moi le DF. C'est juste une façon de capable accéder à lui. En exécuter ni un code ça pour nous connaître si lui exécuter bien. Une fois que tout bail fin fait bon, on gagne là en essayer corriger lui. Il dit que fichier a pas existé. Peut-être que nous faisons une erreur dans PAF là. Home, les miser, downloads, ticket, list. List, il va gagner S. Nous corrigeons. Donc, moi, après, réexécuter. C'est ça qui est important dans l'ISA. Ça m'exécute là, indépendant de ligne 1, dans le bloc 1. Dans le Rumifel, ok, tout va passer bien. Pour nous, on dit F. Pour nous, on a accès avec toutes les données mieux là. Une fois que toutes les données mieux dans notebook, on a accès avec lui. Avec Panda, avec DataFrame Panda, on a plusieurs fonctions. Ça, c'est nous pour qu'on ait à mesure qu'on a pratiqué. C'est pas un. Je ne peux pas dire que c'est programmation. Purement, c'est juste des méthodes que c'est supposé qu'on ait pendant qu'on a fait traitement sur données. Par exemple, si on dit F head, par exemple, nous faisons DF head. Head là, c'est pour afficher 5 premières lignes pour nous. Nous avons 0 à 4 qui représentent 5 premières lignes qui sont dans le tableau. Nous. Ça, c'est le tableau Excel là, qui est 5 premières lignes. Nous avons nous ranger ça. Nous avons toutes les colonnes titres. Ensemble avec lui, mais 5 rentrées. Si nous besoin préciser plus que 5, nous avons dit en là, mettons pas à mettre nous dire que bam 6 plutôt. Là, on va arriver jusqu'à 5. 0 à 5 qui va nous 6 lignes, 6 rentrées dans le tableau. Nous. Voilà, et oui, là, on fait là. Bon, si nous besoin qu'on shape là, c'est qu'on ait dimension tableau. Ça, c'est très simple pour nous. Nous avons besoin qu'on ait dimension tableau. Si nous fait shape là, qui veut dire bam forme. Forme tableau à l'afficher pour nous. Shape, là, dit, OK, tableau ou bon traité, il y a
10 rangées, il y a 5 colonnes. Abscisse ordonnée. Je suis capable de dire comme ça. 10 rangées, 5 colonnes. Donc, ça, c'est shape tableau noir. Donc, en deux tableaux, si vous regardez bien, nous allons zoomer pour nous. Nous avons plusieurs colonnes. Si nous avons accéder à une colonne qui ça fait pendant puissant en pile, si nous avons accéder avec toutes données, une colonne précisément, nous avons juste précisé nos colonnes en dedans et data frame noir. Par exemple, si nous avons dit OK, ben moins colonne site ID. Mais site ID. Et même fait inter, on. Nous allons afficher moins toutes données qui sont dans la colonne. Toutes données ça. Et puis il dit mais quel type de données oui. Pour le moment, ils sont objets parce que nous pouvons vraiment dire pendant mais quel type de données qui dans colonne ça. Nous allons afficher moins toute colonne ça. Si nous besoin département, c'est même bagarre là. On dit OK. Ben moins colonne department. Nous allons afficher pour moi même bagarre là. Voilà ce qu'on sera capable de faire traitement de données. Mais nous pas aller un petit peu loin toujours avec ça que nous capable faire. On a quitté ça comme ça. Nous pas aller nous pas afficher colonne et date yo pour. Date time down. Date time down. Là, ça c'est colonne date yo. Liban nou yo en texte. C'est string yo. Là, lui elle précise objet, c'est juste pour le dire ça c'est objet pendant mais pour qu'on vraiment qu'on quitte lui. Si nous pas faire des opérations sur date ça. Pas oublier toutes données ça va venir de fichier Excel noir. Python a considéré yo c'est un string yo. C'est chaîne de caractères. Nous pas besoin convertir yo. Gen une méthode pour convertir en dans Python directement toute string en chaîne de caractères. Ma jambe dans Sublime Text, nous pas besoin inquiéter nous pour ça. On dit là moi a importer date time. On dit from date time import date time. En dans module date time là gen une fonction qui est le date time, c'est lui qui nous va utiliser. N'a fait date time.strp time. STRP, c'est comme si c'est un string, nous allons le convertir en temps. Un string, STR, et puis nous allons convertir en module date time. Comment il fonctionne cette méthode ça qui est dans qui est dans et date time. Là, comment il fonctionne? Premier paramètre, il prend c'est string, c'est date là quand string. On dit par exemple nous avons une date ça là. On dit que nous avons une date qui est DT. Il dit 12 février 2022 10h45 secondes. Ça c'est date nous là. Ça sont string, ça sont chaîne de caractères qu'on tape là. Mais pas oublier dans tout langage de programmation, il y a un module date. Nous besoin convertir chaîne de caractères en date. Pour qui ça nous avait convertir en date, c'est parce que on date pas oublier tout calendrier yo synchronisé, toute l'heure synchronisée. C'est parce que gagne une instance qui est responsable date. Donc pour nous capable dire OK, si on est 12 février, ça nous besoin qu'on ait ajouter un an sur lui qui date la pied, qui joue la pied. Mais date time là c'est pour ça là. Si nous même qu'à l'ajouter 365 jours sur lui et puis ne pas vraiment compte qui date lié, c'est pour nous quitter module qui responsable ça déjà là qui gagne toute fonction là déjà c'est non objet ça pour nous convertir pour nous capable manipuler date. Et si nous besoin faire soustraction entre deux dates, là une chaîne de caractères ça là, si on a dit 12 février et puis une deuxième date qui t'a 22 février et qui t'a 22 février comme ça. Nous besoin soustraire pour nous connaître combien de jours, combien de secondes qui coulent. Nous pas qu'à faire pour nous. Faut nous quitter ce module détail là qui fait. Et ça fait nous convertir, chaque string ça okay, chaque chaîne de caractères ça en module date là. Là dit ok premier, nous créer, nous sauvegarder la même variable là pour nous caser ça qui en l'air. Puis nous dit ok convertir moi. Premier argument il prend c'est date là qui est en chaîne de caractère là. Premier argument c'est date là qui est en chaîne de caractère. Mais voilà, mais argument qui est en chaîne de caractère là, mettez virgule. Et puis deuxième paramètre qui prend c'est format date là. Mais on va préciser format date là, on a précisé dans chaîne de caractère. Mais chaque format yo, c'est des mots clés qui propre à Python. Just pas dans code, il y a un paquet mais en kembe l'essentiel yo. M'a juste dit nous là et puis n'a tout kembe parce que dans pifoka c'est yo n'a toujours jeune. Nous pour aller là, on a dit OK. Premier partie c'est day là, c'est jour. Mais OK, on a dit OK, premier partie c'est present day. Qui ça vient après jour son tiré, et même mettez tiré. Qui ça vient après jour c'est moi, et même dit OK, present pourcentage m pour moi. Qui ça vient après tiré avec moi, c'est un tiré toujours et puis après ça on gagne année c'est pourcentage
Y, mettez grand Y parce que c'est grand Y qui représente année au complet. Si nous mettez Y, c'est deux derniers chiffres là prend. Donc là nous n'avons pas gagné année avec deux derniers chiffres. Gagne mon qui compte par année comme ça. C'est ça fait gagne Y gagne grand Y. Donc si année au complet n'a précisé gros Y, Y majuscule. Après année on gagne espace. Donc n'a mettez espace. Nous gagne heure, deux points, minute, deux points, seconde. Et maintenant précisé comme ça H deux points, minute deux points pour S pour seconde. Différence entre T M avec grand M. T M c'est pour moi, grand M c'est pour minute. H c'est pour hour, pour heure, et puis S seconde, seconde. Donc là, nous convertis ça en chaîne et en module de time. Et mais c'est même façon ça nous va utiliser dans notebook pour nous convertir. N'a pas tout dans notebook. Hein? Qui colonne que nous avons besoin de convertir en module de time? Là? C'est de time down avec de time up. Mais ça n'a fait. Et date time down là en module date time. Indépendant d'une fonction qui est déjà responsable pour faire ça. Nous allons utiliser panda pour nous faire conversion. On a fait PD to date time, son façon pour nous convertir. PD qui s'allie, c'est module là que nous prenons. Nous avons précisé panda, si c'est panda que nous avons utilisé. Là, nous faisons PD as PD. Nous n'avons pas accès à panda encore, nous avons accès avec PD qui prend accès. Son lien direct à panda, c'est ça fait m'utiliser PD. En dans PD, il y a une fonction qui relie tout date time. Et maintenant OK, nous pas dire tout date time, premier paramètre il prend c'est même genre avec ça. C'est comme si c'est strp time là que n'a utilisé là. Et mais premier paramètre qu'il prend c'est date là en string. Et mais OK, nous pas dire OK. Mais date là en string, pas bien c'est dans panda, c'est dans data frame, n'a précisé qui colonne qui en string là, c'est date time down. Deuxième paramètre là c'est format. Et maintenant besoin que format c'est pour des termes importants pour préciser clair. Clair c'est format. Non paramètre. N'a précisé format, on peut copier ça même genre parce que nous pas besoin de taper encore, c'est même format. Là, on précise pour nous. Date time down, moi PD date to date time, m'ouvre parenthèse. Premier paramètre là c'est string que m'a converti hein. Qui c'est colonne qui n'a date qui n'a tableau non voilà colonne ça qui est en string c'est lui m'a converti en objet de time là et puis me précise dans qui format toute colonne là y est donc automatiquement fin fait ça moi exécuter mais nous elle converti l'elle converti là ça qui est important là nous exactement lui dit moi ça OK type donner ça vienne de time automatiquement il est pas type objet encore contrairement avec en l'air quand elle dit objet. Ce n'est pas pour vraiment connaître quel type de données. Voilà, nous convertis ça en détail. Mais, gomba qui est très important. Si nous faisons DF, head, nous avons que la stylité même genre, la stylité est dans la façon l'autre. Dans la façon qu'elle était avant. Nous avons jour, mois, année. Pourtant, nous avons convertis là, année a devenu avant, devenu dans le format détail pour Python. Donc, ça ne fait pas fonctionner, c'est parce que moi juste fait comme ça moi pas sauvegarder ça me fait pas bien là me fait conversion même pas dit pour remplacer colonne faut moi préciser colonne m'a juste dit OK voilà c'est même genre là l'aime t'a fait conversion là si me fait conversion t'a fait comme ça sans pas sauvegarder pour montrer que c'est objet date time là que moi besoin écraser moi besoin remplacer m'a dit m'a prendre même variable là moi dit dt égal juste pour faire son conversion moi fait là. Donc ça conversion date time là qui va venir dans objet date time pour remplacer string là. Et mais c'est même bagarre là dans panda les m'a utiliser là. Donc moi obligé moi une fois que je fin convertir toute colonne là, moi dois préciser qui colonne il doit remplacer. M'a juste dire OK. Data frame là, dans data frame que me gagne mais qui colonne qu'on doit remplacer à part conversion ça que me faire. C'est même colonne là. Et même remplacer par colonne, les convertir en objet de time. Automatiquement, les exécuter, nous elle va afficher, c'est parce que c'est mon sauvegarder en dans data frame. Et même une fois que me fait df head, pas nous est que qu'on a les points année à venir avant. De time hop là pour convertir. Mais on a fait même genre pour de time hop là. On pas besoin copier pour être capable de sauvegarder ça en faire, pour être capable habituer à faire ces data frame là. Colonne que m'a prend de time up et mais OK les gars là conversion que m'va le faire moi les fonctions qui disponible dans panda qui c'est pd to date time paramètre li prend c'est
et date là en chaîne de caractère, mais c'est colonne qui est en chaîne de caractère là, date time hop, et puis après ça les préciser format. Format c'est comment formater, c'est jour, day, mois, m, année. Après ça, espace, h, deux points, m, deux points. Et puis seconde, puis je finis, je ferme parenthèse. Automatiquement, je fais ça là, tu as supposé faire conversion pour nous, tout va passer bien. Conversion fin fait, c'est fait df head. Nous voyons que li affiché, li tout détermine vin fait conversion. Et si nous besoin afficher toutes données qui dans table, nous a juste fait df comme ça. Et puis là va afficher toutes données pour nous sans parce que head là c'est juste pour 5 premiers. On a toutes données que nous dans tableau, li affiché. Ça li pas trop pratique parce que normalement les gens plusieurs données, il va l'afficher tout. Malgré la fait et la sauter quelque. Donc là c'est façon qui plus pratique pour nous convertir string yo en objet date time. Quand là ça qui est important là c'est que nous capable faire soustraction avec eux parce que normalement c'est objet date time. Nous on a fait date time up moins date time down. Là ça important là pendant c'est que c'est pas des variables que nous avons utilisé là. Quand nous allons faire 2 moins 1, c'est comme s'il venait utiliser colonne totalement en style variable. Panda just puissant parce qu'il prend chaque rangée, il prend grain valeur, il soustrait pour nous et il refait notre colonne. Pour chaque colonne, il contrôle. Pour chaque rangée, il contrôle le faire pour nous. Ce n'est pas des variables, c'est ça puissant là. Je fais date time up moins date time down et puis m'exécuter. Nous, elle, ben nous, voilà combien de temps qui passe pour chaque colonne. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, si nous avons en dans. Ok, si nous avons voulu remplacer tout l'ouest par PowerPoint, on dit ça, on a fait ça plutôt. Tout l'ouest qui colonne, c'est notre colonne département. Department. On a affiché pour nous, pour montrer nous. Nous avons l'ouest sud. Si nous avons besoin de remplacer tout l'ouest par département, on a juste fait replace. Nous faisons replace. Tout côté de l'ouest, remplacer par PowerPoint. Là, si nous exécutons ça, nous voyons que les remplacer tout côté par port au prince. Mais si tout fois nous besoin gain accès avec chaque élément en string, l'important pour nous préciser str là directement, nous fait str replace. C'est toujours même bagarre là, mais parfois gain des colonnes qui est vraiment complexe, nous obligé gain accès avec str là pour nous vectoriser chaque gain colonne. Donc là ça là marche tout. Nous fait c'est tout ça que nous gain là. Department remplacer l'ouest. Ça veut dire par exemple toute colonne, tout côté jeune l'ouest, la remplacer par PowerPoint. Nous montrons ça, c'est dans le cas que nous avons une colonne qui est, par exemple, j'en ai dans la dernière séance, nous avons des noms qui présentent comme ça et nous avons besoin de convertir en float. Donc nous avons besoin de remplacer virgule par 1 pour nous capable de prendre un string ça pour nous convertir en float. Et nous savons comment nous capable de faire la conversion. La conversion, c'est simple, c'est juste. Nous faisons ça, c'est replace ça pour nous placer un élément dans une colonne. Pour replace ça lui-même, c'est juste nous préciser qui colonne. Non? On dit Satayidien. On dit Satayidien, c'était un pile nom à virgule qui était là-dedans. Donc, son pile nom que nous avons besoin de convertir en entier. Nous avons juste fait OK, as type, int. Automatiquement, on fait as type, int. Et mais sat ID on t'a converti en int. Si me besoin convertir en float, c'est même bagaille là. T'as fait sat ID as type float. Nous la préciser en chaîne de caractère tout. Ça li dépend li ou li pour faire sauver. Donc automatiquement me fait ça t'a converti en float ou bien en integer. Là ça la bon erreur parce que normalement si nous garde colonne sat ID, il pas gain vraiment des objets là-dedans, il va gain string là-dedans capable convertir ni en int ni en float parce que y a lettre là-dedans. Voilà, j'espère là moi couvrir toute introduction que nous avons fait et en façon ça regardez cette vidéo ça regardez en façon pour maîtriser concept yo. Pas oublier, ça c'est pas vraiment des syntaxes Python, c'est une librairie que n'a utilisé pour nous faire manipulation de données très bien. Et n'a pas que à mesure que n'a codé, à mesure que n'a avancé avec lui, n'a kembe yo et n'a c'est très facile, pas rien compliqué là. Et si nous répond pour nous, nous est shape, nous est with excel. With Excel shape qui pour bon et forme data frame là
forme tableau, il juste dit nous qu'il gagne 10 colonnes et 10 rangées avec 5 colonnes. Et pour nous accès avec une colonne, c'est juste préciser data frame non, crochet et puis préciser nos colonnes en string. Si colonne n'a pas gagné espace, nous gagne faire point. Nous préciser nos colonnes comme ça. Si colonne n'a pas gagné espace là-dedans. Si nos colonnes n'ont pas ça taille dit, on va pas faire ça taille dit comme ça. Donc c'est pour ça on mettait crochet à des fois pour nous capable accéder à nos colonnes direct. Mais si colonne n'a pas gagné espace, on gagne accéder avec lui comme ça. On fait ça et bien exécuter le toujours bon même résultat. Donc après ça nous préciser l'engin objet str en date time là comment capable convertir nous en fonction qui est le to date time nous convertir nous préciser format et puis nous fait opération entre colonnes nous est date time up moins date time down c'est à cause chaque rangée les moins sur un pile nous sur même format colonne dit. Après ça, nous avons replace, quand nous avons remplacé un caractère dans une colonne par un autre caractère. Voilà, c'était tout ça que nous avons dit, que nous avons maîtrisé. Nous avons une prochaine séance.